Donc vous êtes toujours en plein combat et ça fait un petit moment que vous commencez déjà à lui taper dessus, alors que cette pauvre créature malheureuse vous tourne le dos et est en train de muter, ça a l'air d'être affreusement douloureux pour elle. D'un coup, elle se retourne et va vous sauter dessus. Vous avez en face de vous donc une créature avec quatre pattes griffues, une créature qui se déplace sur ses pattes, qui a des ailes, une gueule de reptile et qui bondit, un peu comme l'aurait fait ton lynx, mais ça, griffe dehors, mâchoire en avant, pour essayer de choper le premier qui va être à sa portée. Étant donné que Nessa tire à l'arc et Hilda Corvinus sont au corps à corps, Non, non. je lancerais bien un dé pour savoir sur qui. Je suis pas au corps à corps. Ah non, tu fais un bond à chaque fois. Eh oui, moi je peux me déplacer donc. C'est vrai. D'accord. Bon, bah vas-y, hein. Mais. Fais-toi plaisir, je suis au corps à corps avec mon bâton. Mais bizarrement, c'est pas sur toi qui va sauter. Comme Ah il a des ailes et qu'il peut bondir, qu'il peut donner un petit coup, c'est Hilda qui le regarde. ouais, bien sûr, chaque fois chez moi, quoi. Pas le temps de réveiller avec des orties. Bah, il se souvient peut-être Ah, il qu'il s'en se... rappelle encore! Il s'en rappelle encore! Tu sens qu'il a un homme mauvais contre toi. Tu lui as tapé dans l'œil alors? C'est toi qui as commencé le premier. Au propre comme au figuré. J'ai hésité à lancer un dé, puis je me suis rappelé les deux signes. Corvinus, Hilda. Hilda. Hilda, un petit compte. Alors. Je suis même pas revenu full PV en plus. Moi je trouve que c'est normal. C'est normal. Et ça m'arrange. Jusqu'à 15, ça passe. Pour te toucher. Hilda. C'est où je l'ai? 14, 14. Donc ça passe. Il attaque griffe et crocs et Écrou dehors. il fait mal. Il te fait 10 points de dégâts? Ouais, super. Oh putain. T'es à combien de points de vie pour l'instant, Hilda? En allemand les 10? Ouais. Je suis à 14 en allemand les 10. D'accord. Ça va? Ouais. Il tape fort, ma bête. Et c'est à Nessa d'agir. Du coup, moi, je vais lui tirer une flèche dessus. Hein. Écoute, je vais. Si je peux faire ça, est-ce que je peux tirer en me déplaçant? Est-ce que tu peux tirer en te déplaçant? Oui. Donc, voilà, je me dis N'oublie que pas que si. ton arc magique. C'est ton arc magique. Tu peux redonner les... Parce que je crois qu'elle n'a pas noté J'ai les... pas noté, mais je savais pas si j'allais pouvoir m'en servir de suite ou pas. Je lance ça. Mais je crois que tu t'en es servi l'autre jour. La première flèche que tu lui as tirée dessus, c'était ça. D'accord. Donc tu as plus un en attaque et tu tires des flèches enflammées qui font 1 des 10, 1 des 6 de dégâts supplémentaires. T'es toujours là? Ouais, Oui, ouais. oui. Oui, c'est parce qu'elle est en D'accord. train. Elle note les trucs. Donc tu J'ai dis. oublié de te dire, Corvinus, ton bâton, en fait. Ouais. Quand tu t'appuies dessus, tu peux marcher et ça t'aide. Voilà. Waouh, super. Ça, c'est... Ah, je suis trop content, là. Tu vois, ça y est, c'est... Tu m'as dit en attaque, c'était un des 20 plus. Et alors, plus ton bonus à distance, plus Oui. 8, plus 1, parce que c'est ton truc D'accord. magique. Et il fait 2 des 6 de dégâts. Enflammé. D'accord. Bon, on va tirer avec celui-là alors. Ah bon? Alors, 27. Pour toucher? Ouais. Donc ça touche. J'ai Ah cru que bah il est c'était le jet. magique, hein? Il est magique. 27? Ça passe large. Et donc les dégâts. T'imagines le jour où tu fais la critique avec? Ça m'a envoyé du pâté, hein? 8. Allez. Quand même.
Bah oui, attends, ah bah quand même, magique enflammée, hein. Bon. Donc je lui décoche une flèche qui donc s'enflamme au moment où elle part et qui lui arrive dessus. Et donc j'en profite pour terminer ma course derrière quelque chose. S'il y a, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y avait rien dans la pièce, il me semble. Rien dans la pièce. Bah, mis à part derrière le grand monolithe là. Derrière le monolithe du dragon. Et je vais essayer de voir si je peux le contourner pour prendre Pantocrique ailé à revers après. Et tu pourras largement. Donc voilà, c'est ça l'idée. Par contre, t'amuser à faire le tour du pilier central, là où se trouve le dragon, ça te prendrait du temps. Il est vraiment gros, le dragon. Mais vraiment. D'accord. Donc tu peux te mettre un peu couvert, histoire que ça gêne un peu si voulait t'atteindre, mais pour l'instant il n'est pas occupé par toi. Mais tu peux revenir par là où tu es, dans son dos. Hilda reculait, elle sautait sur lui, le tape, elle recule. Donc pour se jeter sur Hilda, il a fallu finalement qu'il s'avance. Ouais, c'est parce qu'en fait, comme Hilda va être entre nous et que Hilda bouge beaucoup, l'idée c'était de courir pour le prendre en tenaille de l'autre côté, quoi. Alterner les attaques d'Hilda bondissantes et mes flèches. Ouais, clairement, moi, comme je vois les choses, Hilda s'était reculée, mais lui vient de lui sauter dessus, donc lui vient vraiment de sauter sur là où se trouvait avant votre groupe. Près de là où t'étais, toi, en te déplaçant et en tirant, t'as pu aller derrière lui. Corvinus a été laissé sur place quand Pantocrique a sauté sur Hilda, puisqu'Hilda s'était reculé alors que Corvinus était au corps à corps. Donc Corvinus et Nessa, vous êtes dans son dos pour l'instant. Ok. Ça vous va ? Très bien. Bah, ouais. Du coup, je suis juste un petit peu en retrait pour pouvoir revenir après, quoi. Ça marche. Hilda, à toi, excuse-moi. Donc là, il est juste à côté de toi. Ouais, bah, il vient de te chiter. Ça passe. Ça passe ? Ouais, il est à 15. Parce que du coup là j'ai lancé pour attaquer avec ma vive lame. D'accord. Parce que j'ai que 4 de bonus avec les armes, pas 6. Ouais. Du coup c'est 1 des 10. Ouais, elle fait un peu plus mal. T'as lancé un des 8. J'ai lancé un des 8 ? Ouais, t'as lancé un des 8. J'ai du mal avec les dés. Et tu rajouteras quand même 2. Ah, joli. Je rajouterai 2, pourquoi 2? Parce que je la veux plus sympa que la lame de base. Dans la salle où vous êtes passé, il y avait des trucs vraiment sympas. T'as donc ça fait 8 plus 2, 10. Ah, c'est bien. Tu lui rends un petit peu la monnaie de sa pièce, en fait. Ben ouais, j'y rends les dégâts qu'il m'a mis. Tiens, reprends, c'est cadeau. Corvinus, à toi. Bon bah moi, comme je vais avancer un petit peu et je vais lui coller un grand coup de bâton dans le dos parce que le bâton... T'approches pas trop quand même. Ouais, bon après... Ah par contre, tu te souviens, la dernière fois, on avait dit c'est bien de tournoyer, mais il faut frapper aussi avec. Oui, je sais. J'aime bien. Je sais. Donc un grand coup de bâton dans le dos. Ouais, ça va pas être terrible à mon avis. Je fais 14. Ah, c'est dommage. Bah, non, c'est pas loin. Pas. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être parce qu'il se déplace trop. Hein. Il est en train de gigoter comme un animal qui aimerait. Et moi, écoute, un coup, il gigote dans tous les sens. T'as voulu passer un coup de bâton et il s'est déplacé à ce moment-là. Bon. Bah puis j'ai l'habitude de mon... Là j'ai utilisé le bâton que j'avais récupéré dans la salle d'à côté, mais comme c'est pas le bâton avec lequel j'ai l'habitude de... Mon bâton ferré que je vais utiliser en combat, voilà. Ça, ouais. Il est peut-être... Il est pas équilibré pareil, tout ça.
Je pense qu'il y a de ça. Tout ouais, à c'est fait. Clair, moi aussi, l'arc, il n'est pas bien réglé. Ouais, il n'est pas bien réglé. Oh la vache. Du coup, c'est à lui d'agir. Tu t'es redéplacé là ou pas? Non, non, je suis resté en face de lui. T'es resté en face de lui du coup? Ouais. D'accord. Qui va essayer de t'en mettre une hein, parce que... On devrait pas déconner. Et il se rate lamentablement. Il n'a rien vu. Du coup, il est toujours en train de gesticuler autour de toi, t'entends ses dents qui claquent à côté, tu vois ses griffes qui donnent des coups sur le sort, tu te dis qu'heureusement que t'es pas à la place de la pierre qui vient de se faire taillader. Mais cette année, ça, il t'a raté. Eh bah, je... Du coup, je sors de là où je m'étais un peu mise à l'abri derrière le... Derrière la pyramide de verre pour lui tirer une flèche à nouveau. Parce que ça a l'air de marcher plutôt bien. Eh bah, t'as fait un vin naturel. Réussite critique. Ça va piquer là. Donc là, ça fait 2d6. Donc 2d6 d'emblée. Donc si on utilise la règle, c'est tu 12, fais de base 12 plus 2d6. Et bah plus 7. 19. Mmh. Et bah voilà. Donc je pense que ça s'est très 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 bien enflammé et je sais pas si ça peut lui avoir transpercé une aile ou quelque chose de ce genre. Ah tu peux, tu choisis en fait, fais-lui la crasse que t'as envie. Bah je sais pas, soit c'est dans l'aile, ça lui crève bien une aile et il peut plus voler, soit il se la prend dans entre les deux yeux et ça l'aveugle puisque ça continue à brûler, ça lui crame... Voilà, la partie supérieure de ce qui doit ressembler encore vaguement à un visage. Je sais pas, comme tu veux. Toi qui me dis, parce que ça je ferai des choses différentes avec lui après, donc je choisis. Bah écoute, j'aime beaucoup les deux, j'arrive pas à choisir. Alors, bah écoute, père et impère, alors père c'est les yeux et impère c'est l'aile. Allez, père. Les yeux. Donc, il perd ses yeux. D'accord, donc il ne voit plus ce qui se passe. Il a du mal à viser Hilda. Vous sentez que ça l'a fait du coup un peu paniquer. Et vous aurez le temps, Hilda et Corvinus, d'agir. Mais vas-y, je vous laisse agir du coup. Hilda, à toi. Mais il gueule. Tu vas me bousiller ma bestiole. On est loin d'une paroi de mur là ou pas? Ouais, assez. La salle est ouverte. Ouais, donne-moi une distance parce que moi je peux aller loin. C'est pour ça que je te demande. Alors attends, j'ai plus les machines de différentes choses que j'ai été donné. Je peux faire 20 mètres moi. Je ne donne pas. 20 mètres. Ah, vu que vous arrêtez pas de vous déplacer, allez, on peut dire que t'as un mur dans les 20 mètres. Oui. Non, parce qu'en fait, je veux reculer vers le mur, ouais. Monter sur le mur, grâce à ma capacité, tu vois. Ouais. Je monte sur le mur, et en fait, je vais me retrouver à l'opposé de lui, c'est-à-dire les pieds vers le haut et la tête vers le bas. Ok. Ouais. Et je vais me laisser tomber et je vais y mettre un gros taquet dans sa gueule en partant de la moue. C'est ce que D'accord. je veux faire. Ouais, ok. Donc ça, c'est ce que tu veux faire. Vas-y. Donc tu es en train de courir vers le mur. Tu commences à monter sur le mur pour retomber sur lui. C'est ça. Ouf. Ouais, ça passe. Bah, on voit. Super. On change pas les habitudes. Hein. C'est noté quand même. Du coup, là, t'es sur lui. Ah non, non, j'ai mis un coup de poing et j'ai réatterri à côté de lui, quoi. D'accord, ok. Donc là, pardon,
Il reste Corvinus, donc il puisse vas-y. Et Corvinus, ben, grand moulinet de son bâton, qui l'abat, et qui attendra un autre moment pour taper. Je vais donner des cours. En plus, je peux pas utiliser aucun de mes pouvoirs, puisqu'il n'y a aucune végétation dans la pièce. Donc. Sinon, j'aurais été plus efficace, mais bon. Donc là, la créature... s'éloigne, elle voit plus ce qui se passe autour d'elle, d'accord. Donc elle se met à courir dans un sens, dans l'autre. Alors, pour plus de facilité, ça serait peut-être pratique un plan, mais disons que Nessa, t'étais toujours près du pilier, toi. Oui. Donc Nessa est près du pilier. Corvinus est à peu près entre le pilier et le mur le plus proche à l'extérieur. La créature était à cet endroit-là, là où vient de retomber également Hilda, et la créature se barre sur le côté, et elle avance jusqu'à se cogner dans un mur, elle se retourne à ce moment-là, et elle inspire un grand coup. Oula, ça pue ça. Elle est partie du côté du couloir droit ou couloir gauche, là ? Elle est partie en direction d'un mur, donc j'aurais dit, par rapport à l'image que vous aviez, je peux la remettre, en direction du nord, et elle s'est trouvée face à un mur. Elle se retourne. J'essaie de vous remettre l'image. Ouais, j'ai mis le token, le mien et celui de Nessa, je l'ai remis dessus, là, sur le... Ah bah voilà. Et ça, elle devait être ici là puisqu'elle était à moitié planquée sur le derrière le espèce de pyramide là. Et enfin moi je sais pas, je pense que bah, du coup, peut-être là. C'est marrant parce que moi je me voyais de l'autre côté parce que comme on était arrivé de la salle des armes, pour moi bah, c'était logique qu'on soit de l'autre côté. Moi je vous voyais, si tu permets. Ouais. Je voudrais plutôt là en fait. D'accord, ok, ouais, ça avec marche. Fantecric qui était là où je te parle, là au départ. D'accord, ok. Oui, oui, c'est. Ouais, c'est vrai que moi je nous avais mis là, c'était parce que c'était on était envers le bas de l'image et on voyait mieux, mais ouais, c'est vrai que c'est. On est arrivé. Et du coup la créature, je la mets là où il y a le petit Z. D'accord. Est-ce que je te mets ton token aussi, Hilda? Moi c'est mieux, ouais, comme ça c'est plus clair. On a tout le monde. Ouais. Donc tous les deux, vous étiez là. À peu près. Et elle se retourne à peu près dans votre direction. À peu près. Je vous vois pas. Et elle souffle, c'est ça? Et elle souffle. Et voilà. Bon, on a intérêt à sauter sur le côté pour éviter ça. On reprend les caractéristiques. Est-ce que j'ai le temps de lui redécocher une flèche? Ben non, parce que c'est à son tour de jouer. Toi, tu as déjà tiré ce round là. D'accord. Alors, vous me dites ce que vous faites. Parce que là, effectivement, il y a... de dragon qui dirige vers vous. Ben moi je plonge au sol, je plonge au sol sur le côté. D'accord. Et Hilda? Ben moi j'essaye de rejoindre Nessa sur le côté du pilier là. Moi je plonge là sur le côté là ici. Je fais un bond quoi. Vous faites un jet de dextérité juste pour voir si que ça donne en fait, ou si vous voudrez. Oh, c'est pas un vin naturel, mais c'est 20 quand même. Donc ça marche bien. Super. Oh merde. Ça change quelque chose si j'ai 9? Comment? Ça change quelque chose, un de plus? Non, ça change rien. Un de plus? Non. Parce que j'ai plus 3 de base.
Mais t'as des points de chance, hein. T'as des points de chance, ouais. Non, non, mais ça va. T'es sûr? Non, non, j'assume le jet de merde. Je sens que tu vas avoir des poils roussis. D'accord, alors t'as un gros souffle qui passe du coup entre... puisque t'as quand même essayé de te barrer du côté de Nessa. T'as un gros souffle qui passe entre Corvinus et toi, mais tu te prends... Tu prends quand même un bon jet de flamme dans le dos et tu te reprends 10 points de dégâts. Il balance 3d6 cet enculé. Ouais. Dans zone. Ça picote. Comme tu dis. Et c'est à Nessa de jouer. Bah du coup, moi, quand je l'ai entendu... Par contre, Hilda, elle commence à avoir mal, hein. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah, 4 PV, ouais, j'ai mal, là. Alors, donc une fois que le souffle est passé, que je vois que Corvinus a l'air de rester au sol, enfin de juste relever la tête, enfin je vois qu'il est indemne. Je regarde pareil rapidement Hilda. Est-ce qu'elle se relève quand même? Est-ce qu'elle se met à couvert ou pas? Elle finit de se mettre à couvert. Ok. Bah du coup je rencoche une flèche pour lui tirer dessus parce que faut pas qu'il puisse recommencer ça. Il gesticule un peu dans tous les sens parce qu'il voit toujours pas. 24. Ça passe. Et en dégâts, 7. Ok. Vous lui avez fait mal hein, depuis tout à l'heure. Là, il chancelle. Tu sens que le côté vif de ses petites pattes du départ, tu le vois chanceler. Il est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il est moins dangereux, mais il n'est pas bien. D'accord. Hilda. Il est loin de moi ou je peux attaquer? Si tu t'es mis du côté de Nessa, du coup, puisque tu as dû te déplacer et te mettre à l'abri, ouais. Là, va falloir utiliser tes capacités de gros déplacement si tu veux l'atteindre. Bah ouais, du coup. Mais par contre, tu pourras pas repartir après. Ouais, ouais, pas de soucis. J'espère que tu es sûr de toi. Et pas facile. Est-ce que si je sens qu'elle prend une impulsion, je peux l'arrêter? Vu comment elle est rapide. Vu comme elle est rapide, tu pourras pas. Je suis rapide aussi et. C'est vrai que t'as une meilleure initiative. Tu pourrais le tenter. Et je tente. Je te fais un quoi, un ex. Mais du coup, tu veux lui faire quoi? Bah juste la rattraper par le callback, en fait. Je vois qu'elle vient de se faire cramer le dos quand même. Et que depuis tout à l'heure, elle a pris des sacrées blessures. Donc là, je pense que je la connais et j'ai l'impression qu'elle part pour l'ultime combat, quoi. Donc c'est hors de question, moi. Je la retiens par n'importe quoi. Une manche, la tresse, n'importe quoi, moi, je la retiens. Je veux bien que tu essayes, mais ça va être difficile parce que tu viens d'agir et de tirer sur la créature. Donc tu t'es déjà occupé, enfin t'as déjà fait autre chose en fait. En plus, vous avez combien d'initiatives là? 18 et 17, les deux, elles sont proches. Ah ouais, ouais, c'est. Ouais. Donc c'est quoi, hein, dextérité, Attends, je vérifie les difficultés. Vas-y, vas-y. Parce que si tu fais moins de 25 un jet de dex, je dirais non. Ça se tente. Non, ça passe pas du tout. Voilà.
J'aurais essayé de te sauver la vie. Et j'aurais été tout à fait d'accord. Elle a des capacités trop balèzes pour que tu puisses la freiner, en fait, si elle décide d'y aller. C'est pas grave. Et le MJ est gentil parce que moi, avec vos initiatives aussi proches que ça, en fait, j'aurais même pas laissé... Je pense que c'est au moment où tu aurais décoché ta flèche que là, tu aurais vu qu'elle se barrait. Et... Donc, Hilda, t'es totalement libre de tes mouvements. Bah du coup je. T'as senti du coin de l'œil quand même que, ouais. que Nessa a réagi à ton bond en avant et mais tu peux faire ce que tu veux. Ouais, du coup je saute vers le dragon et je l'attaque. Bah vas-y. Super. Alors, si tu dépenses un point de chance, tu as le droit de refaire ton jet de dés. Moi je dis ça, je dis rien. Sachant qu'il y a des chances que ce soit la dernière séance, hein, donc c'est... tu peux le cramer quand tu veux. Hein. C'est... Si tu l'utilises pas aujourd'hui, a priori, ça sera pas utile. Ouais, mais tu vois, je vais utiliser, tu vois, et je vais faire un. Non, attends. C'est alors, soit tu relances, ton jet de dés, soit ça te donne un bonus de plus 10 sur ton jet de dés. C'est l'un ou l'autre. C'est toi qui choisis. Tu peux le réussir automatiquement si tu veux. M'arrêter de m'aider, non, je relance les dés. Eh ben vas-y. Ah, oh, c'est pas possible ça. Viens de pas te plaindre si tu fais un 1. Mais je me plaindrai pas moi. C'est le jeu. Pas une chuchote. Voilà. Je l'avais annoncé. Ah mais c'est énorme. C'est énorme. Ok. Ben en fait c'est encore pire que ce qui était prévu. Ok. Oh là là. Tu m'aides pas, hein. Je suis un gentil MJ, mais tu m'aides pas. Tu viens de sauter et t'atterris devant lui. Le problème c'est qu'il ne te voit pas. Mais là t'es un peu tombé, t'es un peu... T'as atterri là où tu voulais pas quoi. T'es devant lui en faisant un peu de bruit. Oui, je pense que même j'ai dû toucher les fleurets, donc il sent que je suis là quoi. C'est ça, il y a aucun doute pour lui sur le fait que t'es là. Ton subtil parfum de naine. Vu qu'il est un peu quand même toujours affolé, qu'il vient de se reprendre une flèche de Nessa, il te saute pas dessus. Il fait un pas en arrière. Et il inspire de nouveau. Oh là là là. Au revoir. Il reste Corvinus. Et ben Corvinus, quand il voit ça, il court vers... Hilda et la créature. Et alors, je sais pas si tu peux. Il peut. Bah attends, moi j'ai utilisé mes compétences pour aller chez le dragon et lui il y va. Tu partais deux fois plus loin. Après, et en fait, ce qu'il veut faire une fois sur place. Hein. En fait, je veux pas frapper le. Tu pourras pas. Non, ce que je veux juste faire, c'est essayer de bousculer Hilda pour essayer de la bousculer, limite presque sauter, tu sais, la plaquer comme la plaquer pour la pousser de la trajectoire. On se retrouverait au pied de la créature, un truc comme ça, mais au moins essayer de la pousser de la trajectoire. C'est tout ce que je veux faire. Ok. Tu veux un jet de quelque chose ? Ah ouais? On est plus sur de la dextérité ou sur de la force? Dextérité? Tu sais quand même de la choper? Ouais. Je dépense un point de chance pour avoir un plus 10. Et ça fait 28. Ça passe. Donc vous êtes toutes les deux au sol au moment où elle a reculé. Elle a inspiré un grand coup et vous avez un souffle chaud qui passe au-dessus de votre tête. Vous êtes au sol. Heureusement qu'elle ne vous voit pas. C'est chaud, mais ça vous fait rien. Ok. Mais ça... J'attends qu'elle ait fini de souffler sa... Des flammes. Du coup, je vais continuer à tirer les flèches. Hein. Vas-y.
Donc toujours pareil, je sors un petit peu, je m'écarte pour tirer. Et ça fait 21. Ça passe. Et donc avec ces petites flèches enflammées, 7 points de dégâts. Et... M'énerve, putain, ma créature. Hein. À toi, Hilda. C'est toi qui avais mis des arbres dans la salle d'avant, hein, je te rappelle. C'est pas faux. À toi, Hilda, ouais. Donc, du coup, nous, avec Corvis, on est devant lui. Ouais, juste devant lui. Et elle vous voit toujours pas. Donc, vous étiez au sol. Elle souffle un grand coup, c'est-à-dire qu'elle a fait un peu plus de bruit. Elle a... Et là, elle vient de se reprendre une flèche, elle sait toujours pas d'où ça vient. Elle regarde un peu dans tous les sens, elle voit, parce que elle a les yeux crevés. Je vais rien dire, je vais lancer le dé d'abord. Très bien. Tâche décision. Oh ben, putain ben, franchement. Change de dé. Franchement. Change de dé. Oh merde. C'est... Ah la poisse ce soir. Du coup t'essayes de lui mettre un... Non je pense que j'essaie de me relever, je me casse la gueule en fait. C'est ça ou... Alors c'est peut-être parce que Corvinus est encore un peu sur toi, il a peur que tu... Ah, je pense aussi que le dos brûlé ça n'aide pas et les blessures qu'elle a pris quand même 2 fois 10 coup sur coup. C'est ça, c'est... Je pense que ça n'aide pas. Hein. Si je puis me permettre, 4 points de vie, tu fais oui, moins le malin, comme on dit. Hein. Mais bon, c'est... Il y a un truc qui ne te va pas. C'est... Ah oui, c'est les dés qui ne vont pas. Hein. Et du coup, à toi, Corvinus. À moi, eh ben, écoute, je vais... J'essaye de lui donner un grand coup. Alors, j'ai essayé de me redresser un petit peu. Je suis peut-être à genoux accroupi devant lui. À genoux à terre. Et j'essaye de lui faucher les jambes avec mon bâton. D'accord. Voilà. Ah, il a fait un 1 lui aussi. J'ai fait un 1. Voilà. Et eh ben écoute. Je pense qu'il m'a entendu. Je pense qu'il sait où exactement où je suis. Ouais. Et puis tu voulais donner un grand coup dans les pattes, histoire de le faire trébucher. Et en fait, t'as tapé, mais il n'a pas bougé. Ouais. Par contre, effectivement, le bruit. Il sent contre lui un bâton. Et il se dit qu'il doit y avoir quelqu'un à l'autre bout. Ouais. Donc dans le doute. Il va sauter toute griffe dehors dessus. Eh ben vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Hein, je... 21, ça passe pour toi? Oh bah largement, oui. Large. Bon, oui. Large, large, large. Euh... 13 points de dégâts pour Corvinus? Oh bah ouais. Hop. Là il y a les aux dents aux griffes. Hein. Heureusement c'est que j'en... une vraie grosse bête qui saute dessus. Hein. Heureusement que j'en ai beaucoup. Hein. Bon j'ai quand même bien morflé. Je veux bien croire. En fait, j'en ai 31 de base moi. Bah pareil. Moi aussi j'en ai 31. Bon, donc lui vient d'agir, c'est à Nessa de reprendre. Nessa, elle peut continuer d'enchaîner. Ah bah j'enchaîne. Par contre, attention à la ligne de mire avec Hilda oui. Et Corvinus. Oui, oui, bah j'ajuste bien là, de toute façon. 24. Ouais, bon, des sous comme ça. On sait où est le. On sait où est la chance au déçoir. Hein. Ah bah chacun son tour. Hein. 10 points de dégâts. D'accord. Vous avez du coup la créature qui vient de se prendre une flèche. Peut-être dans la gueule, peut-être
Pour juste une flèche de plus, c'était celle qui suffisait pour finir de l'achever. Ça fait un petit peu hérisson quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire là, avec toutes les flèches, plus les brûlures. Et elle s'affale au sol. D'accord. Moi, dans le... on n'est jamais, trop prudent. Je sors ma dague et je plante ma dague dans la gorge de la créature. C'est vraiment pour être sûr. Ok. Moi, je me précipite sur Hilda pour voir si ça va. Impeccable. Tu douilles un peu quand même. Je vais te, je te file une... Je suis à moi, mais j'ai appris à résister à la douleur. Ça je veux bien. Par contre, vous entendez toujours du bruit. Et du coup, ça provient d'où? Vous sauriez pas dire, un peu partout autour de vous. Et au moment où tu te poses la question d'où est-ce que ça vient, vous entendez un bruit plus important que les autres. Et un espèce de grondement un peu plus fort semble venir de l'autre entrée, de l'autre sortie de la pièce dans laquelle vous vous trouvez en fait. D'accord. Je sors une baie magique que je donne tout de suite à Hilda et je te dis, dépêche-toi de manger ça. Et voilà, je te l'attends. Le dragon, moi, je vais passer devant en faisant le tour du pilier. Là, il a touché. Le mouvement s'intensifie. Oui, tu peux regarder le pilier. Ouais. Et vous entendez clairement ce qui ressemble à une trompe d'eau qui est en train de déferler. Ok. Je pense qu'on va partir en courant dans la direction opposée. Si tu veux regarder le pilier, tu peux. Non, mais non, on a prochaine pas... fois. Hein ouais, voilà, on n'a pas le temps. Moi, je regarde. Hilda, tu récupères 5 points de vie avec la baie magique. Merci. Du coup, je tire Hilda par la manche. Je lui dis, viens, on n'a pas le temps. Sinon, on va mourir noyé. Moi, je suis déjà dans le couloir. Moi, j'avoue, là... Du coup, Hilda, tu voulais regarder quoi? Non mais elle peut pas, je la tire par la manche. Bah si, tu me tires par la manche, mais je peux regarder quand même. Allez. Qu'est-ce que tu cherches à voir? Bah je sais pas, s'il y a un truc qui sort de la porte en face, ça va. Hilda, c'est... Allez. Donc, pendant qu'elle tire et du coup tu fais 2-3 pas en arrière, tu vois effectivement un torrent de flotte qui sort par la porte en face. D'accord. Et qui commence à rentrer dans... et qui du coup s'engouffre franchement dans la salle dans laquelle vous êtes. Du coup, je me laisse entraîner. Vous commencez déjà à boire de l'eau jusqu'au mollet, du coup. Allez, Corvinus, on va mourir noyé. Oui, mais moi, je suis déjà devant. T'inquiète pas. Je te le dis pour que tu... Attends, alors, rappelle-moi, on était arrivé donc dans la salle avec les sarcophages. Ouais. Et avant... Est-ce qu'il y a de la lumière ou pas? Parce qu'on va courir, mais est-ce qu'on voit où on va ou pas? Ah, vous avez toujours la lumière que vous aviez depuis... Ouais, mais avec la flotte, ils vont plus rien voir. Hein. Vous n'avez plus voir grand-chose. Bah, c'est pour ça, sinon je tire une flèche sur le mur pour que ça se plante, et comme c'est enflammé, ça va nous éclairer le chemin. J'aime bien. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup. J'aime pas penser à ça, j'aime beaucoup l'idée. Vous me faites tous un petit jet de constitution. Parce que l'eau, en fait, continue à s'engouffrer. Me demande pas d'aider ce soir, moi. Moi aussi, c'est marrant. Ah, j'ai fait 9. Si tu fais un premier, je lance les dés à ta place, s'il faut. 11. Oh, bah regarde. Belle naturelle. Bah voilà. En fait, elle nage. Donc, l'eau qui commence à arriver commence à avoir suffisamment de puissance quand même pour vous bousculer un peu. Mais, avec les jets que vous me faites, vous tenez bien debout et vous êtes emporté par ce courant qui arrive. Mais l'eau monte très vite au moment où vous allez atteindre la nécropole. Donc on traverse la pièce des sarcophages. Sauf que le couloir par lequel vous êtes arrivé s'est effondré. Quoi? Il y a...
Ça, c'est... Putain, on est coincé là-dedans. Non. Et qu'est-ce qu'il y a au plafond? Un plafond. Ah bah sinon, il faut péter le dôme de verre. Hein. Il faut retourner dans la salle, il faut casser le dôme de verre. Vous avez déjà de l'eau juste aux épaules. T'as remarqué qu'il y avait une dragonne derrière ou pas? C'est... Non, mais je te dis pas le plier, mais il faut péter le dôme en verre. Sinon, on va mourir asphyxié dans le... Trouver... Vous avez les sarcophages qui étaient faits, vous savez, dans un matériau assez particulier qui avait des formes de barques qui se mettent à flotter. Okay. Le courant qui passe dans le couloir par lequel vous êtes passé est franchement fort, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à le remonter. Enfin, vous pouvez le tester, hein, mais... C'est-à-dire revenir dans la pièce où on était ? Donc là, on est dans la pièce des sarcophages, tous les trois. Ouais. Ah, pardon, okay. Je n'ai pas récupéré votre Non, mais t'inquiète, pas de souci. On peut pas revenir en arrière à la salle du dragon. Vous ne pouvez pas revenir en arrière dans la salle du dragon. Est-ce qu'on peut continuer ? Ça vous demanderait de gros efforts, ça peut se tenter, mais... Et donc, on peut pas continuer dans le couloir. C'est effondré là-bas. Les passages sont effondrés, oui. Ok. Moi, je grimpe dans un des sarcophages. Et les sarcophages, ils flottent. Sinon, on peut s'en servir de réserve d'air si on les retourne. Ouais, mais avec tout le remous et tout ça, Hilda, t'arrives à lire ce qu'il y a écrit sur le mur ou pas? On l'avait lu, c'était l'histoire des gardiens qui étaient là pour veiller au repos de la bête. C'est ça. Okay. Voilà. Il n'y a pas un message, ceci est une sortie d'urgence. Ah, moi, je suis grimpé dans un sarcophage. J'essaye de retourner, moi, dans la salle. Est-ce que si on se met sur une petite barque, est-ce qu'on peut remonter le courant avec la barque? Non, c'est non, trop fort. Le passage est plus petit. L'eau est déjà plus haute que le passage. Enfin, ça arrive au niveau du passage. Vous ne pourrez pas passer la barque dans ce tunnel-là. Le tunnel qui menait au... Pardon, le tunnel qui menait au dôme. Ouais. C'est trop... Ouais. Il y a trop de courant. Et puis le truc c'est que moi je vois rien, donc je peux même pas vous aider à chercher quoi que ce soit, je vois strictement que dalle dans le noir. Ben, j'avais tiré. Vous faites un jet de perception, vous avez toujours la lanterne, hein, si vous l'avez mis. J'avais tiré une flèche. Non, la lanterne quand, pour le combat, je l'ai posée par terre et je l'ai pas récupérée. J'ai tiré une flèche au-dessus des portes là du couloir dans le mur en face quand on est arrivé. Donc ça éclaire encore un peu. Bah ben, ouais, moi aussi. Perception. Je cherche un peu s'il y a une c'est sortie, avec quoi quoi. Sagesse. Non, on a pas perception. Avec sagesse. En fait, sagesse. C'est sagesse, pardon. 20. Excusez-moi. D'accord. Non, j'ai fait que 9. Oh, putain. 13. Alors. C'est suffisant pour que vous vous rendiez compte que une partie du torrent s'écoule quand même sous la clé de voûte de la principale arche, celle par laquelle vous êtes passé, la plus haute. Ok, bah on va ramer. Je sais pas si manifestement à cet endroit, il doit rester des interstices en haut. Ok, bah je sais pas, on prend nos bras, n'importe quoi. Un des sarcophages, on s'en sert comme si on voit que ça passe. Mais on est déjà dedans, moi j'avais compris qu'on était. Ah, moi j'ai grimpé dans un. Ok. Un sarcophage. Vous êtes dans des sarcophages, vous vous rapprochez de cet endroit-là, ça tombe bien, il y a de la lumière. Et ça va tirer une flèche. Alors par contre, il faudra en tirer une autre si tu veux que la lumière aille dure. Ouais. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ça s'est bien éboulé et que il resterait quelques pierres à dégager pour pouvoir vous frayer un petit passage. Ok, bah on va faire ça. C'est le sarcophage de qui en premier? On va dire que c'est toi qui t'en es rendu compte le plus tôt et qui voulait déjà aller par là, non? Ok, d'accord. Bon bah j'essaie de déblayer comme je peux la caillasse. Hilda et moi, on est dans le même sarcophage derrière, peut-être? Peut-être deux. J'ai fait un test de force pour essayer de déblayer. Et ouais. Je suis à 14. Je vais te demander 13. Donc ouais, Hilda, on est dans le même ou chacune dans une barque?
Bah, vu que tu me tirais par le bras, on va considérer qu'on est dans le même. Ok. Ok, donc ça vous prend quand même un petit peu de temps pour défaire, pour bouger tout ça. Il y a la place pour que vous puissiez mettre les deux barres côte à côte pour que on ait un autre qui puisse aider. Après, vous êtes dans des barres, donc c'est pas tout à fait stable. C'est-à-dire que tu as bien commencé le travail, mais pour l'instant ça passe pas encore. Mais j'ai filé un coup de main. Ouais, on continue à monter doucement. Hein. On l'aide d'accord. Le plus vite possible. On sert, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais n'importe quoi pour faire levier, pour dégager plus vite les pierres. Alors ce qu'il y a dans les sarcophages sont des squelettes, des petits bouts d'armure, des. Un morceau de tibia ou quelque chose. Ou un morceau de bouclier ou n'importe quoi, ou un manche de. Une vieille épée. Une vieille épée n'importe quoi. Un restant de casque. D'accord. Vous me faites des petits jets de force sur juste ceux qui essaient de dégager les pierres. Bah, je pense qu'on participe tous. Hein. D'accord, bah alors allez-y tous. 10. Oh, 5. C'est 8. Pas mon truc. Ok. Clairement, ça vous prend du temps. L'eau continue à monter. Va falloir recommencer. Si vous faites encore des jets de mer comme ça, vous allez finir par creuser sous l'eau. Ah, voilà. 19. Voilà. 5. Demandez. Ah, 20. Ok, elle a plus le temps, Linda. Linda, elle en a plein de cul. Elle a ras-le-bol. Elle a pris le caillou, elle l'a dégagé, et clairement ça vous libère un passage. Et d'un seul coup, vous avez vos embarcations qui... Qui du coup, dévalent ce torrent, qui suivent des différents couloirs. Alors, vous n'arrivez pas à suivre, ça fait un peu comme dans un toboggan géant. Moi juste, ouais. Je pense que vu qu'on est ras du plafond, je me suis allongée ou accroupie. Enfin, je me dis, si jamais on passe un peu trop près, on va se bouffer des pierres ou des je sais pas quoi. Donc moi, je me suis vraiment allongée voilà. Sur des nains morts, quoi. C'est... Voilà. Et j'ai pas dit que c'était des nains. Ah, c'était pas des nains? Ah non. D'accord. Là, on n'a pas le temps de les mesurer là. Non, j'étais persuadé que c'était. T'avais dit que c'était des nains. Autant pour moi. C'était des gardiens. Autant pour moi. C'est vrai qu'il a pas spécifié que c'était des nains. Non, alors effectivement, le texte était écrit en main, on pourra y revenir après si vous voulez, hein, mais le texte était écrit en main, mais vous aviez des artefacts de toutes origines, mais non, j'ai pas dit que c'était des mains dans les sarcophages. Aussi. D'accord, ça marche. Bon, bah, de toute façon... Alors, vous êtes toujours dans ces barques hein, qui flottent très bien, mais qui se déplacent à une vitesse dans des couloirs, vous passez dans des grandes salles, vous avez ce torrent qui vous emmène, qui vous fait passer dans des endroits où j'ai mais comment ça peut se trouver là et enfin en et... même temps dans le noir je pense avec la vitesse du courant et le fait qu'on soit ras du plafond à mon avis on voit pas grand chose mis à part je vous parle plus pour Ilien. Les autres ne voient rien. Donc vous êtes transporté à travers quand même vous sentez que c'est une série de couloirs jusqu'à un puits vertical que la pression de l'eau fait remonter à grande vitesse. Vous voyez au-dessus de vos têtes l'extrémité du conduit qui vous laisse voir un bout de ciel qui se rapproche très vite. Et vous êtes expulsé à l'air libre au milieu de buissons, de cailloux, d'autres branches. Toujours accroché à vos barres, puisque vous m'avez dit que vous étiez bien cramponné, hein, sinon vous auriez volé un petit peu. Ah bah oui. Vous tombez dans une grosse gerbe de flotte sur le lac. Mais vous êtes aussitôt entraîné par le courant du lac qui vous avait ce qui vous surprend quand même puisque la dernière fois vous aviez dit il était plutôt calme qui vous emmène en direction du barrage et vous avez à peine le temps de retrouver vos esprits puisque quand vous sortez quand même d'un noir quasi complet pour vous retrouver en pleine lumière. Mais il faisait nuit ou pas? Quand on a été attaqué. Il faisait nuit quand vous avez été attaqué. Ah ben, d'accord. Vous n'êtes pas en pleine lumière, mais vous êtes quand même à la lumière des étoiles. C'est-à-dire que l'elfe retrouve une vue à peu près normale. Hilda, il voit quand même mieux que dans l'obscurité totale.
Non, le temps de vous réhabituer. Ne précise rien pour Corvenu, s'il te plaît. C'est bien, t'es pas très habitué, toi. T'es déjà habitué. Et vous voyez du coup le barrage arriver droit sur vous. Enfin, vous suivez le courant, vous arrivez droit sur le barrage. Vous voyez qu'il y a de l'agitation qui règne sur le barrage. Vous voyez des nains affolés qui courent un peu dans tous les sens, pour ceux qui arrivent à voir. Hein. Et vous entendez siffler un peu autour de vous. Siffler ? Oui, comme des... De quoi ? Ces cons-là, ils nous tirent dessus ? Oui. Ah, c'est des flèches, en fait. Des carreaux d'arbalète, pour être précis. Super. Ah, bah du coup, je retourne la barque, on se met en dessous, on s'en sert comme bouclier. Le flou, il vous entraîne, et il vous entraîne... Alors, je te le précise, avant que tu me dises ce que tu veux faire, tu pourras la retourner, il n'y a pas de souci. Le flou, il vous entraîne vers les portes, enfin les grandes portes en fait, du barrage qui étaient ouvertes et qui sont en train de se refermer. Et vous y allez à grande vitesse. Est-ce qu'il y a moyen de passer avant que ça soit fermé ? Vaut mieux peut-être. La seule solution que vous aurez pour éviter et les carreaux et les piliers qui s'approchent très vite et sur lesquels vous risquez d'être un petit peu écrasé. Ça va être de passer entre les arches et de passer et... le barrage pour passer. Comment ? Ouais, c'est on va passer le barrage. Ça va faire une espèce de petite cascade derrière et puis de petites cascades. C'est ça. Oui, bah oui, de petites cascades. De toute façon, on n'a pas le temps de discuter. Ouais, pour ceux qui ont la référence, vous êtes dans la situation de Will Smith dans Bad Boys. T'as un passage, faut que tu passes. Oui, oui. Allons-y. On passe. Ça va passer. Vous faites un jeu de dextérité. Oui, serrez les fesses. J'essaye de manœuvrer avec un vieux bouclier qui était dans ça le... Ça va pas passer. Oh, 20 naturel. D'accord. Bon, j'allais dire, faut que vous me fassiez... Faut que vous me fassiez plus de 18. Je ne fais pas plus de 18. Tu peux lancer 2 dés, par contre. Garde le meilleur. Je ne fais pas plus de 18. Ok. Alors, du coup, la barque de Nessa et Hilda passe comme un boulet de canon entre les battants. La barque de Corvinus se prend un des piliers. Corvinus est littéralement éjecté. Est-ce que je peux essayer de le rattraper et de le remettre sur la nof? Ouais. Donc en fait, ce que tu vois, c'est que vous êtes passé vraiment comme des flèches. Tu vois Corvinus qui vous suivait, tu te disais c'est bon, ça va le faire. Il tape sur le pilier et tu le vois s'envoler et il commence à passer au-dessus de vous. Donne ton bâton, va l'attraper avec son bâton. Il faut un bon peu de dextérité pour que tu me le rattrapes. On peut essayer toutes les deux. Attention, moi je marche sur l'eau. Hein. Ah bah vas-y. Tu marches sur l'eau, tu peux marcher sur l'eau. Mais est-ce que tu marches sur l'eau en torrent de cascade? Je marche sur l'eau. Ou et tu marches sur l'eau plate? Il n'y a pas de détail, je marche sur l'eau. Ah bah vas-y alors. C'est vrai que tu peux courir sur l'eau et tout ça. Il n'y a pas de détail. Le seul truc là où je vais être un peu chiant pour une fois. Ouais, mais vas-y, fais plaisir. C'est que tu te retrouves dans la situation du mec sur un escalator qui arrive au bout. C'est-à-dire que si tu veux marcher sur le torrent, je te rappelle qu'il va vite dans un sens et que tu vas vouloir le prendre à contre-courant. Donc si tu n'arrives pas à jauger la vitesse du courant quand tu vas te déplacer dessus, tu vas te casser la gueule comme quelqu'un qui se rate sur un escalator. Je sais pas si je suis clair. Oui. T'as l'image ? J'ai l'image. D'accord. Je me suis déjà cassé la gueule sur ces putains d'escalators. Ah merde, pardon. Oh mais quel con. Trouver l'image parlante, mais du coup. Bah c'est super parlant parce que du coup là c'est ce qui risque en plus, tu vois. Bon et bah écoute, bonne chance. Il faut que je fasse quoi du coup? Oh, tu me fais un bon jet de dextérité. J'ai avec encore bonus hein. J'ai encore droit à un point de chance ou pas? T'en as un je vous en avais mis.
Tu nous en avais donné deux. Ah ben je les utilise alors, j'en ai pas. D'accord. Donc clairement, à mon avis, ça passera si tu mets un peu de vis, c'est ça. Oh merde. Ça passe avec le plus 10 du coup. Ouais mais j'ai pas parlé. Il en a plus. Il a déjà utilisé les deux. Ah, il n'a utilisé qu'un. J'en ai utilisé que. Il en a utilisé qu'un. Déjà, oui. Il voulait pas l'utiliser, il l'a utilisé. Ah oui, c'est oui, vrai. Si, si. C'est vrai, je pense que c'est lui qui a dit deux, moi je croyais que c'était une autre fois. Ça me fait 17 du coup. Donc ça passe. Donc tu me dis ce que tu veux faire. Bah je rattrape je rattrape Minus. D'accord. Donc tu es en train de surfer sur. Enfin, t'es en train de marcher ou de courir sur le torrent, tu viens de rattraper Corvinus, et t'as la barque de Nessa pas très loin de toi. Du coup, parce que je sais que je peux marcher sur l'eau, mais est-ce que je peux marcher sur l'eau en le portant? Parce que si c'est pas le cas, je le jette dans la barque. Bah tu dis que de toute façon, le courant t'emporte un peu, donc il faudrait que... T'assures ta maîtrise un peu plus donc pour pouvoir le porter. Ce sera plus sûr qu'il rejoigne la barque. Hein. Je le jette dans la barque alors. D'accord. Et après tu suis la barque? Ouais. Ok. Je pense que Corvinus ne sait pas du, ne, a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Hein. Il pensait déjà qu'il allait mourir. Retourner à la nature et tout ça. Le... Le courant finit par s'apaiser. Vous avez vu que les portes, du coup, les piliers étaient en train de se refermer. Donc le courant qui vous a emmené, qui vous a projeté, et qui continue de vous faire quand même dévaler un petit peu une partie de la vallée, se calme, puis finit par pas se tarir totalement, hein, puisque... Il y avait quand même de l'eau qui passait par le barrage, beaucoup plus léger, suffisamment pour faire circuler des embarcations, font que le courant se calme et que vous pouvez concrètement, tranquillement, rediriger votre barque vers la berge et vous trouver un petit abri pour accoster tranquillement. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Lio. Et vous êtes arrivé du coup à l'extérieur. Bon, pour votre mission, la mission d'escorte de diplomatie pour l'instant c'est mal barré. Ouais, la compagnie est ramenée Pontecric, je pense que c'est mort. Le Par contre... barrage a été totalement ouvert, ce qui va sûrement créer des conflits. Les nains que vous avez vus affoler, vous savez pas comment ils vont réagir, mais bon. Bref. Sauf qu'on est, il faut absolument, on est quand même obligé de retourner au Châtelet parce que on y a laissé Liu et Mickey. Mm-hmm. Donc ouais. on va peut-être essayer quand même de retourner là, au moins retourner là-bas pour. Profiter, même si on est, enfin, même si je suis crevé, on peut pas les laisser là-bas. J'espère. Je me dis que peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé, avec l'eau qui a dévalé dans tous les trucs, peut-être que le niveau de l'eau, peut-être que l'eau, tout ça, ça s'est même remonté jusqu'au puits, et peut-être que Mickey, peut-être qu'il y a de l'eau qui a jailli du puits ou le là où pièce, elles avaient laissé, elles sont remontées. Elles sont peut-être remontées ou quoi que ce soit. Donc ouais, il faut qu'on retourne absolument jusqu'au Châtelet pour les récupérer. D'accord. On va faire cette partie-là si vous voulez. Mm. Et puis après, et... du coup, ce sera la fin, puisque j'aurai déjà fini ce putain de scénar. Pardon. Par contre, pour retourner au Châtelet, on y va discret parce que ces condes-nains nous ont tiré dessus. Bah, ces contenants, quelques heures avant, ils s'étaient fait tirer dessus, enfin, ils s'étaient fait attaquer. Et, a priori, c'est venu du lac. Donc, Oui. Bon, j'ai l'instinct. Ah, d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils nous attaquaient à nous spécifiquement, quoi.
Pour l'instant, vous n'en savez rien, mais... D'accord. Ouais, mais t'imagines s'il nous colle sur le dos le fait, les inondations qu'il y a eu. Bon, on va arrêter de discuter, on va avancer rapidement, là. Allez. Ouais, on file... je te file une baie magique, et j'en prends une... Bah oui. Toi, t'as pas été blessé? Bah, pas beaucoup, hein. Non, il y a que moi qui ai pris des gars, et toi un peu, Cormis, elle, elle a rien pris. Ouais. Si, j'ai pris un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai pris 6, moi. Alors moi, je récupère 9 points. Ida, il a dû prendre 20 et quelques. Ouais. Moi, depuis le début de la mature, j'ai perdu au moins une barre de PB et demi. Moi, c'est le premier dégât que j'ai pris 13 d'un coup. Voilà. Je fais pas dans... Voilà. Moi, c'est un petit dessus. Ouais, c'est la gueule. C'est pour ça que je fais pas les choses à moitié. Tu veux être proche des forces de la nature. Voilà, t'as été très proche. Du coup, vous retournez au Châtelet. Ouais. Vous l'atteignez. Vous sentez que le calme n'est toujours pas revenu au barrage quand vous en rapprochez. Il vous faut un peu de temps pour revenir au barrage. Hein. Ouais, parce qu'on a dévalé loin. Vous avez dévalé loin, vous avez été propulsé vraiment vite. Hein. Donc, vous revenez, on est fin de la nuit, on doit approcher de l'aube. Oui, en plus, on va faire attention, parce que peut-être qu'il y a des mains qui sont revenus au Châtelet. Bah oui, ouais, tout vous à fait. Vous entrez dans le Châtelet, vous entrez pas dans le Châtelet, du coup. Vous surveillez le Châtelet? Ouais, on regarde s'il y a des mouvements, quoi, s'il y a quelqu'un, s'il y a de la lumière. Ou... Vous voyez rien, vous entendez rien. T'as un signal pour appeler Liu? Bah oui. Ouais, elle est trop loin, là. Bah ça dépend si elle est sortie du puits. Bah je la siffle. Et vous êtes où par rapport au Châtelet? Bah... C'est peut-être ouais, on doit être aux abords, un peu ouais, ouais. Un peu à l'abri, quoi. Ouais, quelques mètres. Là où il y a des rochers, on s'est planté derrière les rochers, tout ça, pour... D'accord. Pouvoir surveiller. Je la siffle. Passe du temps. 2, 3. Il y a de la. Est-ce qu'il y a... Il y a du mouvement dans le Châtelet ou pas? Tout de suite au moment où elle siffle ou en général? En général, quand on s'est approché, qu'on a regardé. Non, vous n'avez pas vu de mouvement. Bon, ok. Je balance des cailloux. Si on n'est pas trop près du lac, je balance des cailloux, des branches, n'importe quoi, pour faire du bruit de l'eau d'eau en personne. Contrebas. Apparemment, il n'y a personne. C'est pas là. Est-ce que ça attire quelqu'un ou pas? Rien du tout. Bon, alors on y va. Est-ce qu'il y a des buissons pas très loin? Tu veux te déguiser en buisson? Non, non, non. Est-ce qu'il y a des buissons pas très loin? Oui. Alors je vais aller arracher. Quoi? Oui, je vais aller arracher une branche. Je vais aller couper une branche d'un buisson que j'emmène avec moi dans le château. Ah bah moi je fais des yeux. Corvinus, il a pété une durite. Corvinus, il est sale, il est blessé, il a laissé. Et du coup, il fait sûr la même chose aux végétaux. Non mais t'as... tu as. Je suis choqué. Et je rentre dans le Châtelet d'un bon pas presque en terrain conquis. Moi j'ai encoché une flèche sur mon nouvel arc là qui me plaît bien. Alors je sais pas combien il y avait de flèches. Bah t'en avais combien dans ton carquois? Bah c'est le carquois que j'ai trouvé. Le carquois magique. Il y avait combien de flèches dedans? C'est l'arc qui est magique, c'est l'arc qui rend magique. C'est tes l'arc flèches. Qui rend les flèches magiques. Oui. Wow. Donc c'était ton carquois que t'avais de base. D'accord, ok. Donc tu dois avoir une trentaine de flèches, un truc comme ça. Certainement. Du coup, vous arrivez au Châtelet, donc Corvinus en terrain conquis. Ouais. Il n'y a rien au niveau de la petite tour à l'extérieur, il n'y a rien au niveau du pont. Bah, s'il n'y a rien, on va directement dans la pièce où il y avait la trappe là. Ouais. Alors vous êtes passé par le petit hall et la porte de l'armurerie est fermée. Et oui, puisqu'on l'avait fermée. Et
Bah, tu vas la péter avec un petit coup d'épaule. Bah déjà on tape à la porte hein, parce que si Mickey elle est de l'autre côté et voilà, on tape à la porte histoire de dire que c'est nous, qu'elle nous ouvre. Alors attends, pendant qu'il est en train de dire on va taper à la... Moi je suis en train de la défoncer en fait. Ok. Et Mickey était derrière la porte. Il fait un jeu de force. Oh non. Non mais vous inquiétez pas, dès que je fais, de toute façon. Ah bah attends, c'est là que tu réussis et qu'elle meurt écrasée derrière la porte. Ah bah voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Mickey, donc, ne reste pas derrière la porte. Donc tu viens de défoncer la porte. Ouais. Et effectivement, tu vois que la porte cède, vole en éclats. Tu vois une forme qui vole un peu dans la foulée. Tu reconnais Mickey ? Ouais. Qui était blotti contre la porte parce que elle avait un peu les niquettes, tout ce qui se passait. Donc vous retrouvez Mickey, vous retrouvez Liu. Ah, il y a Liu aussi. Bon. En fait, ils ont entendu à un moment donné, comme vous, hein, des grands bruits, des mouvements d'eau, des choses qui ont vibré. Elle n'était pas rassurée dans cet endroit fermé. Elle a préféré ressortir avec Liu et elles sont mises à l'abri ici. Elles n'ont pas bougé, mais là dernièrement, Liu a réagi, elle a voulu sortir, mais non, j'ai gardé les portes fermées et je lui ai dit de rester ici. Ensuite, j'ai entendu des bruits au niveau du lac. Je ne sais pas si des gens marchaient dans l'eau. En gros, elle a entendu tes cailloux balancés dans la flotte et Mickey, elle a paniqué. Mickey, ramasse tes affaires. On ne traîne pas ici. Vaut mieux pas. On t'expliquera, on te racontera ce qui s'est passé. On a tout intérêt à... On a tout intérêt à retourner à Valombre ou n'importe où ailleurs qu'ici. Allez, Liu, on y va. Donc vous prenez vos affaires et... Et juste avant, on fait un petit tour à la cuisine et on prend juste de quoi manger. Bah parce que je pense que toutes nos affaires sont plus ou moins trempées. Est-ce qu'on a encore... on peut récupérer nos affaires dans la salle où on avait dormi ou pas? Bah c'est rien cette salle-là. Touché. D'accord. Bah du coup, on récupère très vite nos affaires, tout ce qu'on peut et on s'en va. Les gobelins étaient passés par l'extérieur, enfin, par la partie du lac en fait, n'étaient pas passés par le pont finalement, qui fait que vous retrouvez également votre chariot. Ah ben voilà, on récupère tout ça et on n'attend pas que les nains viennent nous voir, on se casse. D'accord. Donc vous êtes reparti. Et je vous propose de vous arrêter là. Ouais, sauf que du coup, juste ouais. Une fois qu'on s'est mis à l'écart et que... Moi, je vous dis quand même qu'il y avait la gargante, là, que... Je sais pas où ça en est. Et que ah bah, j'ai pas l'intention d'aller voir. Hein. Non, mais... Est-ce qu'on peut ou pas laisser la situation comme ça, sachant qu'on a été envoyé et que normalement, on va devoir être payé pour une mission? Notre mission, c'était d'escorter Pontécrit et de le ramener. Bah oui. Hein, donc. Et bah, il faut peut-être comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Moi, sincèrement, j'ai l'impression que lui, il devait savoir ce qu'il devait savoir oui. Qu'il y avait des souterrains en dessous. Ah bah, et ah bah il n'y a pas été par hasard. Vu ce que le dragon noir nous a proposé. Du pouvoir, de la puissance, elle tira pas voir si le dragon noir il a pas proposé à Pentecrit de lui donner de la puissance, et comme lui c'était plus qu'un vieux nain croulant qui toussait et tout ça, bah il a peut-être dit oui, sauf que n'importe qui normalement constitué sait que on ne croit pas à un traître mot de ce que dit un dragon noir. Donc forcément ça s'est retourné contre lui. Je suis sûr qu'il n'était pas au courant qu'il allait se transformer en la bestiole qu'il est devenu après. Non, mais du coup, si on redescend et qu'on... Mickey, on va la raccompagner, elle a accompli sa mission, mais nous,
Nous, je pense qu'on va pouvoir s'asseoir sur le reste de l'argent. Ah mais, bah oui, nous... Bah, sauf si on arrive quand même à retourner faire entendre raison à Ona. À quel nain? Là? Tu vas aller leur parler, toi? Là? Et, si on va leur raconter ce qu'on a vu en dessous et tout ça Oui, comme ça, si on leur montre la salle des sarcophages. Mais il n'y a plus rien, là, tout est inondé. Ils peuvent plus y aller, là. Quand je pense, ça va redescendre après. Quand je pense à toutes les, quand je pense à toutes les, tous les trésors. Je signale que ils ont bien fait de remonter avec Liu. Le passage sous le châtelet est totalement effondré. Ah. On va nous coller ça sur le dos. On va dire que c'est notre faute. Ah, on n'a rien fait nous. Oui, mais nous on le sait. Mais eux ils vont. Si tu veux qu'on fasse un détour pour aller voir la gargante pour leur dire que c'est pas la peine d'aller discuter avec les nains, on peut le faire. Si on leur explique qu'il y a des tas de trésors et des reliques de leur culture enfouies là-dessus, je suis sûr qu'ils vont aller y chercher. Hein. Ouais, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. On va les laisser continuer à s'entretuer pour ce barrage et... Au moins, le dragon noir, il pourra plus faire grand-chose. Coincé. Bah, on sait pas, peut-être que ça l'a libéré. Coincé comme il est là-dessous. Attends, un dragon noir dans sa prison de verre, comme ça. S'il avait peut-être pu que l'eau s'échapper. Elle a réussi à casser le verre. Hein. Ça va péter avec la pression là. Peut-être qu'il va sortir là. Je sais pas, mais moi j'ai pas. Non, moi je veux pas les. On va voir. On va donc voir on s'en va et on laisse tout comme ça. Si tu veux, on va voir la gargante pour lui dire que c'est pas la peine d'aller là-bas. On peut leur expliquer, peut-être que c'est quelque chose qui intéressera sa tribu de savoir qu'il y a peut-être un danger là dans le coin, du coup qu'ils s'en approcheront pas ou quoi que ce soit. Mais c'est peut-être dire aussi aux villageois du petit village de surtout s'en aller, de quitter la région. Parce que du coup, le signe que la bête est sur vous et qu'elle va se réveiller, la vieille Shada avait vu juste. Bah oui. Oui, non, mais tout le monde s'était bien moqué d'elle quand même. Hein. Oui, bon, d'accord, j'avais dit que c'était une vieille folle. Oh, d'accord. Je reconnais mon erreur. Hein, Non, mais du coup, je suis un peu surprise par ton attitude, Corvinus, d'abord, jusqu'à présent très réfléchi et très responsable. Et là, tu vas laisser tout cet endroit, ce magnifique lac, cet endroit à l'abandon. Et il y a des gobelins qui arrivent, des dragons, tout comme ça. Entre-temps, il a failli se faire bouffer par un dragon, quand même. Donc, ce que je propose... c'est de prévenir la gargante, qu'elle prévienne ses tribus, oui. Qu'on prévienne les villageois. On leur dit, ne restez pas ici, il y a potentiellement un dragon noir dans le coin. Oui. On n'est pas assez puissant. T'as vu un peu, comme on en a bavé face oui, à une espèce de oui, mais c'est pour ça qu'il rejeton. Y avait des gardiens. Regarde mais combien gardiens... il y avait de gardiens. Il y avait quelque le chose gardien, d'organisé. Les gardiens, c'était un ordre, c'était certainement une espèce d'ordre de chevalier. Eh bien, certainement. Eh bien, donc allons, il faut... Les nains, apparemment, n'étaient même pas au courant qu'il y avait ça en dessous. Ils devaient pas savoir qu'il y avait tous ces trucs-là. Oui, mais Pantocrique le savait. Donc, si ça se trouve, il y a peut-être... Je sais pas comment il a su. Bah oui, il a dit qu'il avait été... comment il s'appelait tout le temps, la défenseur... Le père des clans. Le père des clans. Moi, ce que je propose, c'est que... Là, les nains, de toute façon, les nains, ils vont rester ici. C'est leur barrage, ils ont décidé que c'était leur truc. Ils vont gérer ça en attendant. Ils vont rien gérer, ils vont se faire... Par contre, on prévient la gargante pour lui qu'elle prévienne sa tribu. Elle va nous croire. On prévient les villageois. Ils vont nous croire parce que et les villageois, on les emmène. Et on va balancer, si tu veux, on peut redescendre à Valombre. Oui, mais qui va nous croire? Mais j'en sais rien. Ben, il faut que tu en appelles aux autres druides, à des gens quand même sages qui... Tu peux pas laisser un dragon noir comme ça dormir sous un lac prêt à se réveiller. J'ai jamais dit que j'allais pas prévenir. Le truc, c'est que moi, les cercles druidiques de la région, je les connais pas. Donc, je peux essayer d'aller les prévenir. Ça, rien ne nous empêche aussi d'aller prévenir les autorités à Valombre qui a ce danger potentiel-là dans les montagnes. Après, je suis sûr qu'ils vont nous dire, c'est comme maintenant, les nains ont décidé de se prendre ce territoire-là pour eux, ça va être un problème des nains.
Mais je veux bien oui, les mais prévenir. si les nains ne gèrent pas et que le dragon se réveille et il commence à Alors... transformer tout le monde en petits sbires avec des ailes comme Pantocrique, ça va être un sérieux problème quand même. Je demande à Mickey, est-ce qu'elle connaît un temple de Mélena, la déesse de la nature? Est-ce qu'elle connaît un temple de Mélena à Valombre ou dans les environs, ou en tout cas un lieu assez important pour ce culte-là? Oui, il n'y a pas de indiqué. Hein. Et ben dans ce cas-là, on prévient la gargante, on prévient les villageois, quitte même à dire aux villageois, vous venez avec nous, on vous emmène à Valombre en sécurité, on connaît le chemin, et une fois qu'on arrivera dans les environs de Valombre, Mickey m'emmène auprès des prêtres de Mélena, puisqu'on a de bonnes relations, les druides, et parce que les druides et les prêtresses, et les prêtres de Mélena, c'est deux trucs différents encore. Nous, les druides, on vénère la nature en général. Eux, ils ont décidé de vénérer un dieu en particulier. Mais on a de bonnes relations. On va les voir. On leur explique le truc. D'accord. On leur explique ça, le danger de la région. Une attitude Excuse-moi. Digne de toi. Une petite précision que Cornelius pourrait avoir. La présence du baron, il ne l'a senti que quand il arrivait dans les profonds sous-sols du barrage. Et le dragon ne vous parle plus depuis un moment. Il vous a parlé quand vous étiez dans la salle. Il le faisait pas avant. Et il l'a parfait après. T'avais dit, il était quasiment squelettique, rachitique et tout ça. C'est ça. C'est. Il doit être enfermé depuis un moment. Mais... clairement, toi, Corvinus, tu penses que, en gros, ce qu'il avait là sous la main de pouvoir, il l'a transféré à Pantocrique pour faire cette immense créature, mais tant qu'il est dans sa cage de verre, elle ouais. avait été a priori bien conçue. Mais mmh. voilà, ça n'empêche que on va faire ça, on va prévenir les autorités, le culte de Mélena, s'il y a des cercles druidiques, on pourra les prévenir, on leur dire que potentiellement il y a cette menace-là dans la région. On prévient la gargante, on emmène les villageois. Comme ça, on sauve les gens qui restent pas dans ce coin-là. Et puis, bah, les nains, ils vont se débrouiller avec leur barrage. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui, oui. Bah, on ira quand même aussi voir le chef, Wagner, pour lui expliquer ce qui s'est passé, que finalement, Pantécrit, il s'est quand même un peu foutu de notre gueule. Hein. Oui. Et il y aura peut-être moyen de récupérer un peu de sous, malgré tout, hein, parce qu'on a quand même fait le job. Nous. Moi je dis, si on arrive à quitter la ville sans être chassé à coups de pied au cul, on aura déjà gagné. Ouais, mais bon. Donc voilà, bon bah écoute, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans les jours qui viennent. Très bien. Donc prévenir les gargantes, vous pouvez le faire sans souci. Les villageois, ils ont entendu qu'il y avait une attaque au niveau du barrage, ils sont rappelés de ce qu'ils ont vécu, vous avez peu de difficultés à les convaincre de partir. Par contre, ils venaient de s'installer un peu, ils commençaient à avoir... Ah bah oui, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, à un moment donné. Donc les villageois vous suivent, sauf Aeren qui reste là. C'était le chef? Il reste là tout seul. Ouais, Aeren, il veut pas partir de l'endroit. Eh ben, écoute... Il sera gardien du dragon. Bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est peut-être un gardien. Mm. Il veut pas partir. Je sais pas, mais puis j'ai... C'est un descendant des gardiens, peut-être. Je suis trop fatigué pour me poser la question, donc... Son nom complet, c'était Aeren d'Ombrelac. Oui, je pense que tu vois, mais durant le chemin du retour, je pense qu'on se pose tous la question, voilà, quoi, mais on va pas lui demander, non. Ouais. Mais c'est vrai que oui, le fait qu'il veuille y rester, ça nous pose question quoi, pendant le chemin. Vous pouvez, grâce à l'aide de Mickey, entrer en contact avec... elle pouvait faire un détour par un temple de Mélitel. De Mélena, Mélitel, tu te trompes. Je suis en train de manger les mêmes. Moi. C'est pas grave. Du coup, tu peux passer l'info. Du coup, regardons un œil sur la région et essaierons peut-être de rentrer en contact avec les nains pour les avertir. Ok. Et puis, bah. Et voilà, au village, alors notre employeur.
Puis quand oui, on raconte dans le détail tout ce qui s'est passé, que Pentecrit nous a bien mené en bateau selon. C'est toujours selon notre perception des choses. Et... Ouais, mais je pense qu'il devait le connaître un peu aussi. Hein. Il était en prison, je te signale avant même. Donc... Ouais, oui. Pour avoir créé des troubles dans les régions alentours et les montagnes. Et, Donc ça les étonnera peut-être pas trop qu'on leur dise ça, tu vois, qu'ils nous ont mené un bateau. Ils l'ont cherché pendant un moment dans les montagnes avant de le débusquer. Effectivement, ils vous en tiennent pas responsable, mais disons que le contrat initialement prévu n'a pas été... Ils peuvent même pas nous filer la moitié. Bah, ils vous avaient filé la moitié avant le départ. Ah ! Ah, bon, ça va alors. Ouais. Ça, ils reviennent pas sur cette partie-là. On est bien, ça va, on est bien quand même. Ouais. Mais bon, disons que la mission pour laquelle ils voulaient vous engager, ils vont devoir tout reprendre ce qui est de la négociation avec les nains. Mmh. Donc, vous faites pas chasser. Ouais, parce que, mais quand même, ouais, mais ça sera sans nous quand même à la prochaine. On a quand même obtenu, moi je pense, des informations par rapport à la négociation. À savoir qu'il y avait des gobelins qui arrivaient de plus loin, qui avaient des attaques importantes, puisqu'il y a pas mal de villages qui ont été détruits, qu'il y a une tribu gargante qui est pacifiste et qui peut aussi aider ou pas, etc., à la gestion du barrage. Enfin, voilà, on a des informations quand même sur une population. Et il y a le pays voisin voilà. Qui est potentiellement pourrait envoyer des troupes. Ouais, et on a quand même découvert que les origines de ce barrage, c'est vraiment aussi nain, que c'est quand même une construction naine. Hein, c'est au-delà des les constructions visibles, c'est nain, mais en dessous, c'est autre chose. Voilà. Et que ça a l'air quand même d'être un endroit assez sacré, assez, assez particulier, dans lequel on a quand même trouvé un héritage d'un ordre de gardien, et que c'est pas un lieu à confier à n'importe qui, n'importe comment, que ça doit peut-être être discuté entre différentes personnes, et je pense que ça, c'est quand même des informations importantes pour les négociations. Donc moi, je dirais que par rapport à ce qu'on a été envoyé faire, bah, peut-être que l'émissaire n'était pas très bien choisi non plus. Peut-être que bah, voilà, il a dupé tout le monde et on en est tous victimes de sa duperie, mais que quand même, moi je trouve qu'on vient quand même porter des éléments qui peuvent être importants dans les négociations après. Ok, il vous file toujours pas la deuxième partie de la récompense, mais il vous offre l'hébergement et la nourriture tant que, enfin disons pour la semaine qui vient. Oh, ça d'accord. Va, c'est cool, c'est gentil. Bon. C'est correct. Parce qu'effectivement, ouais. Vous auriez pu partir sans lui transmettre cette information-là, ce qui n'aurait rien changé au niveau pécunier, mais effectivement. Il vous remercie pour votre tour. Ça correspond toujours pas à ce qui était attendu et ce pourquoi en fait lui et certains de ses associés vous avez préparé l'argent et du coup il ne peut pas justifier auprès de ses partenaires que tout l'argent a été dépensé, mais vous offrir au moins l'hébergement lui semble être la moindre des choses. Par rapport à ce que vous êtes venu lui dire et la bonne foi dont vous avez fait preuve. Après, moi j'ai récupéré une superbe vive lame, mais ça, elle a récupéré un super arc, ça n'a pas de prix tout ça. Mmh. Non, mais ça, on lui dit pas. Non. Oui, on lui dit pas, mais bon, voilà. Quelque part, non, mais bien sûr. On a bien été payé, quoi. Ah bah oui. D'ailleurs, le. Alors là, c'est bon, ok, il veut pas nous payer tout. Je pense que dans les jours qui viennent, quand on va se reposer, moi je vais essayer de. Je vais essayer de voir un peu, de comprendre, parce que la vive lame d'Hilda, donc c'est une vive lame plus 2. Ouais. Elle fait plus 2 à l'attaque et aux dégâts, ou juste plus 2 aux dégâts? Plus 2 aux dégâts.
D'accord. Faut que je regarde ce que j'avais prévu pour celle-là. Quoi que je suis pas sûr. Non, pas plus. Si, je sais plus. Parce que si ça marche comme l'arc, c'est au 2, je m'attends. Son arc, il fait plus 1 en attaque. Ouais, c'est un peu 2. Et les flèches qui font plus 1 des 6 de dégâts. J'aurais bien mis les deux, moi. Donc, ok, donc ça, ta vive lame, elle serait plus 2 à l'attaque et plus 2 aux dégâts. Ouais. Ouais, ok. Et bah, puis moi, j'aimerais bien savoir un peu mon putain de bâton que j'ai, récupéré. J'ai les gants aussi. Ah, t'avais pris des gants aussi? D'accord. Les gants qui me filent plus 1 en bonus de dex. Ok. Et ton bâton, ouais. Ouais, bah c'est juste essayer de voir un peu s'il est particulier ou pas. Bah, il est résistant parce que t'as pu taper plein de fois sur un dragon, il a pas cassé. Non, il a une particularité, oui, mais j'ai pas envie de te la dire tout de suite. J'avais mis que des objets un peu pétés là-dedans. Et en gros, le bâton de druide, c'était l'autre. Donc celui-là, tu pourras quand même t'en servir. D'accord. Mais c'est ce qu'il est capable de faire, du coup je te le dirai pas tout de suite, ce sera un peu drôle. Ok. En fait, le truc, c'est. Alors, je pense que si tu m'avais dit qu'il y avait des symboles druidiques sur l'autre bâton, sincèrement, j'aurais pris l'autre bâton, c'est sûr et certain. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas eu. Alors, vous avez un peu de temps, mais il n'y avait pas de symbole particulier sur l'autre que tu aurais pu reconnaître tout de suite. D'accord. Il était simple, mais tellement simple. Ouais, mais c'est pour ça, c'est. Sinon, ouais, j'aurais pris l'autre, ça c'est sûr et certain, si j'avais su que c'était. Si je l'avais identifié comme tel, mais. Ok. Il n'y a pas de mal, hein. Enfin, celui-là, j'adore les lanceurs de sorts, donc. Et les bâtons de magicien, je me fais plaisir en général, et celui-là, je l'avais pété. Puisque j'ai décidé de ce qu'ils allaient pouvoir faire avant. J'ai laissé la feuille à l'école comme un connard, parce que j'ai fait ça à l'école. Mais j'ai décidé de tout ce que faisaient les armes avant, comme ça vous choisissiez, puis D'accord, c'est rigolo. Ok. Mais celui-là, il est pété, mais je te le dirai pas. Alors, bâton magique. Avec point d'interrogation. Ok. Tu sens qu'il y a de la magie là-dedans, mais tu sais pas quoi. Ça marche. Voilà, voilà. Est-ce que... Ah non, c'est vrai, il n'y a pas d'XP là-dedans. Non, mais vous pourriez gagner un niveau. Mais ça dépend de ce que je veux faire après. Je ne veux pas non plus que vous soyez trop balèze. Yep. Bah, mais les jets de décompé, ça reste carré. Bon, voilà, c'est là où je pensais l'arrêter, du coup. J'espère que... Bon, ça a arrêté quand même. Ouais, ok. À part mes deux d'affilée, ça va. Sur ce coup.